je suis un vrai juif de la diaspora. Je crois que c'est là que des Einstein ou des Freud ou autres se sont manifestés le mieux, c'est quand ils étaient dans des pays différents, l'Allemagne, l'Autriche, l'Amérique, la France. Les juifs, je trouve, se manifestent, enfin, peut-être je me trompe, en tous les cas, je ressens que je suis devenu une sorte de vrai français juif, que j'aurais pas, il ne me serait pas venu à l'idée d'aller me planquer dans un petit pays comme Israël, un petit bout de désert qui rime à rien au travers un monde musulman, un monde arabe. Je vois pas. Je pense que le destin juif, c'est la diaspora, c'est d'être disparu dans le monde entier. Ma peinture et mon dessin sont les mêmes choses, mais ne peuvent se juxtaposer, a dit Matisse. Et moi, je dis, c'est exactement le contraire. Ma peinture et mon dessin peuvent se juxtaposer. Bon, non. L'art est un mensonge qui nous fait connaître la vérité. J'aurais voulu le trouver, mais c'est de Picasso. Encore un mot très joli du Rabbi Nachman de Blachtlav. Ne demande jamais ton chemin de crainte de ne pouvoir t'égarer. Tu vois un peu comme c'est beau ce mot ? Il ne faut surtout pas avoir peur de s'égarer pour trouver quelque chose. Et ça aussi c'est joli. Ce qui est difficile en art, c'est de se mettre en état de réaliser. Trouver la situation particulière qui te mette dans cet état. Sans avoir à se saouler la gueule, sans avoir à se droguer, sans avoir... Tout simplement par le bonheur de créer. Mon père, il suffisait d'avoir un modèle qui venait poser chez lui pour se mettre en état. Il n'en fallait pas beaucoup à lui. Ah, tu sais ce que je voulais aussi, Uline ? Que ces pommes, que tu fasses la compote avec. Ah, d'accord. Tu es plus, tu sais, compote ? Oh, je sais. Avec compote, un peu de sucre et... Oui. Hein, voilà. D'accord. Tu es plus, tu coupes un petit morceau. Oui, je sais, je sais. Parce que j'ai déjà fait. On ne peut pas parler de période Yankel. Hein. On ne peut parler que de la tradition Yankel. C'est une grande tradition établie où tout a une valeur. Hein. Les traces d'une chaussure à crampons sur le sol deviennent une œuvre d'art. Une moisissure sur un mur devient une œuvre d'art. Les traces d'un pneu qui a freiné sur la route sont absolument admirables. Et quand j'ai découvert l'atelier de Yankel à Rions, au bord de la rivière, alors là, j'étais émerveillé. Je suis rentré à l'école des Beaux-Arts de Paris pour avoir une confirmation de ce que j'avais appris à Abidjan. Et arrivé aux Beaux-Arts de Paris, j'ai eu une chance inouïe, c'est de tomber dans l'atelier d'un grand maître. Je dis grand maître parce que vraiment, Yankel est un grand maître. Pour moi, Yankel est comme un dieu. Je le dis, chacun a une étiquette. Certains, c'est Jésus, d'autres, c'est Mahomet. Mais moi, le plus que j'ai eu dans cet atelier, les sentiments que ce maître m'a apporté, la manière de vivre, de se mettre dans une simplicité totale, a beaucoup agi sur ma personne, rentré en Côte d'Ivoire. À telle enseigne que j'ai appelé mon premier fils Yankel. Aujourd'hui, il a 21 ans. Mais c'est pour ne pas oublier cette crème-là. Ces cours ne s'arrêtaient pas seulement à l'école des Beaux-Arts. Nous avons organisé beaucoup de fêtes chez lui, les étudiants. Et à cette fête, il y avait des Japonais, des Arabes, des Africains, beaucoup d'Africains et tout. Et je prends un exemple. On avait un de mes profs d'Abidjan qui s'appelle Samir Zaro. Quand il passait à Paris,
Mais on a fait une fête chez Yankel. Et c'est chez Yankel que j'ai vu ce tam-tam parleur de 2,50 m de haut. Et quand Camerounais jouait avec, j'ai dit non, non, c'est un tam-tam sacré de chez nous. Et ça doit retourner chez nous, Yankel. Mais bien sûr, c'est... voilà la réponse que m'a donnée Yankel. Bien sûr, amène ça et redonne ça à la population pour que ce tam-tam vive. Mais c'est un être, c'est un homme extraordinaire, Yankel. Yankel, presque tous les Africains sont passés à son atelier. Quand on arrive dans l'atelier de M. Yankel, c'était la fête, chacun travaillait comme il veut et comme il entendait. Et la fête ne s'arrêtait pas dans l'atelier, on allait même faire la fête au domicile du professeur Yankel, où tous les étudiants se réunissaient. J'ai été admis avec de très très bonnes notes qui m'ont permis, n'est-ce pas, d'aller directement dans un atelier. Et je me retrouve donc, vraiment par hasard comme ça, à frapper à la porte de l'atelier de Jacques Yankel. Et c'est là alors que ce jour-là, il n'était même pas là. Et quelques temps après, c'est-à-dire 2 jours après, c'était le jour où il donnait son cours. Et on s'est retrouvés là, très jovial comme monsieur. Puis finalement, j'ai compris que le courant passait, n'est-ce pas, entre lui et ses étudiants. D'autant plus que les étudiants, c'était vraiment un atelier multiracial où on trouvait un peu de tout. Alors si bien que, tout de suite j'étais très très à l'aise. J'arrive dans un atelier où l'enseignant n'est pas celui-là qui a ses canons bien précis et puis voudrait, n'est-ce pas, faire moudre tout le monde dans ses canons. Bien au contraire, lui, Yankel, c'est un homme très cool, un homme vraiment de liberté absolue. C'est-à-dire, qui te suit? Il ne te demande pas de le suivre, mais plutôt, il te suit. Il voit ce que tu fais, il critique s'il le faut, et puis maintenant, il te dit, écoute, au lieu de faire ça, tu aurais dû faire ça. En tout cas, je ne te contrains pas. Fais ce que tu entends faire. Alors, tu vois, voilà un peu l'enseignement de Jacques Yankel. C'est-à-dire que quelqu'un qui est derrière les étudiants pour les encourager à s'extérioriser davantage et surtout à s'exprimer en tant qu'une personnalité, en tant qu'une entité. C'est ça. C'est vraiment là le point focal, vraiment, j'allais dire, le point central de l'enseignement de Jacques Yankel. C'est-à-dire, vous dire que vous devez faire ci, vous ne devez pas faire ça, non, ce n'est pas vraiment son propos. Son propos, c'est de voir ce que tu fais et d'être derrière toi et de t'encourager. C'est un peu ça aussi que j'ai beaucoup de lui, si bien que c'est à partir de là que je me suis dit, tiens, il est besoin pour moi de trouver une possibilité de communiquer avec les étudiants, mes futurs étudiants, bien entendu, pour que, le courant puisse passer, qu'il n'y ait pas de cassure. Alors là, c'est à partir de Jacques Yankel que j'ai donc eu ce grain de quelque chose qui vraiment me permettait d'être beaucoup plus à l'écoute des étudiants pour maintenant les guider, leur donner vraiment l'essentiel de ce que l'on a d'abord. Parce que, un enseignant veut dire qu'on a d'abord quelque chose à dire, on a quelque chose à donner. Alors sinon,
Là, il n'y a pas d'enseignement. Savait regarder, mais qui rentrait très peu dans le travail effectué par ses étudiants. C'est-à-dire que dès que vous avez un chemin et que vous prenez ce chemin-là et qu'il trouve ce chemin intéressant par rapport à votre culture, lui, ce qu'il fait, c'est appeler d'autres de chez vous, donc ceux qui sont vos aînés, ceux qui sont là un an, deux ans avant vous. Il les appelle et puis, bon, ben, il demande qu'on regarde les travaux ensemble. Mais, en tout cas, il nous a beaucoup influencé dans le comportement qu'il avait, sa façon d'être artiste, dans son discours et puis dans son idéologie, c'est-à-dire ses idées sur l'art. Et ça, vraiment, il nous a beaucoup influencé là. Parce que, jusqu'à présent encore, on se souvient de ces boutades, mais qui n'étaient pas en réalité des boutades, mais qui étaient des choses qui faisaient réfléchir. Tu voulais boire un verre, toi? Non, merci. C'est tellement joli, la ruche, ton père. Oui, mais ils ont eu quand même... On prend l'autobus, là? Oui. Tu n'as pas ta Rolls? Ah non, je vais en avoir quand j'aurai fini le film. Lui, tu crois qu'il va te rapporter? Chez Léonard, là. Ah. Tu vois, c'était un mosaïste.